Voici, voici que je m'entends. À présent, que je le parle, à moi et circonstance, à ma petite-fils, à ma petite-fille, alors ton problème, ça va moins sauter à cause de la représentée par mon père. Parce que ma sœur est belle. Alors ton problème, là, le problème sur leur chat, mais ce pas Zali. Allez, quand on a tout ça dans le début de leur chat, tout ça dans le pour. Chère famille, chers amis, mesdames, messieurs, vous ne ferez pas. Pour nous, ces petits-enfants, dont je me fais représenter le porte-parole à cet instant. Avons toujours eu une grande admiration pour notre grand-père. Pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour que sa famille ne manque de rien. Il a été un père modèle pour ses enfants et ce dernier était présent dans sa mémoire entre la distance où nous vivons quelques-uns dans ces enfants. Il avait l'amour vis-à-vis de ses petits-enfants et ses arrière-petits-fils. Et nous, petits-enfants vivant près de lui, nous avons reçu tellement d'amour et d'attention, il est très difficile d'imaginer notre vie sans lui. Et pourtant, notre grand-père n'est plus là. Je me souviendrai toujours à ses précieux conseils qui ne cessaient de me donner. D'être honnête et grand de Dieu. Je me souviendrai toujours des moments que nous avons reçus ensemble avec lui, lui dont je me disais qu'il n'était pas seulement pour moi un grand-père, mais un papa. Oui, un papa. Merci grand-père pour tout ce que tu as fait pour nous. Ton orientation, ton imagination débordante, ton énergie, ta persévérance malgré le poids de l'âge, tu me disais, même si on ne croit pas, laisse la vérité et sois courageux. Sois optimiste. Ta santé détériorée par la maladie, mais ton esprit sain. Sa passion et surtout ses talents d'orateur ne sont pas en arrêt. Je me souviendrai de tous ces moments passés ensemble où nous nous retrouvions
après les repas pour écouter les souvenirs de sa vie, de son enfance, de son travail. La rencontre avec notre grand-père, grand-mère, qui elle aussi se trouve dans l'au-delà de ses enfants et de sa famille. Des fois, il répétait les mêmes choses, mais nous aimions tellement l'entendre. C'était quand j'étais triste et désespéré. Il savait et ne cessait de me dire ces dictons en langue Wanya ou Badia. Nipa, Nishum, Dashura, Nipa, qui veut dire entre la mort et le péché, choisissez la mort. C'est là toute la richesse que nous avons laissé notre grand-père et la transmission de ses valeurs humanistes, ses idées, sa force et ses passions, la transmission de sa vie et son histoire. Je souhaite te remercier, grand-père, pour nous avoir légué cette éducation, ces idéaux. C'est en grande partie grâce à toi que nous avançons dans la vie et que nous continuerons à nous battre pour des causes justes. Que nous continuerons à nous réunir et nous entraider. Tout ce que tu as pu m'apprendre, toutes les histoires que tu as pu me raconter, je les transmettrai à mes enfants, soit en certain. Tu vas manquer ton père. Tu vas nous manquer, grand-père, mais ton souvenir restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as toujours été mon modèle, mon héros, et tu resteras. Je suis persuadé que Dieu t'accueillera au paradis. J'aimerais, pour finir, citer une citation qui dit: tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Oui, je comprends cette citation, prend tout son sens aujourd'hui. Va en paix, grand-père, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Merci. Et je vous remercie, vous tous qui êtes venus rendre un dernier hommage à notre grand-père. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que ce bon des circonstances a été lu avec beaucoup d'émotion. C'est pas facile de perdre rien à lui.
entourée de toutes les couches de personnes. Alors aujourd'hui, nous avons eu cette grâce de pouvoir voir et rencontrer celui qui était son avocat, celui qui était son conseiller juridique. Alors il s'agit de Maître Toussaint Loga, et nous allons appeler directement cet avec tout son cabinet pour pouvoir passer pour déposer le jardin de fleurs. Merci.